Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Atlantica pour cette 13e édition ici à La Rochelle. Une édition, un plateau où nous allons avoir comme invité Stéphane Villain, conseiller général, président chez Charente-Maritime Tourisme, et Raymond Moreau, le président départemental de l'hôtellerie de plein air. Un plateau où nous allons revenir sur le bilan de saison et puis revenir aussi peut-être sur la réaction des professionnels de l'hôtellerie de plein air après la tempête Xia du mois de février. Alors peut-être avec vous, Monsieur Villain, déjà quelques mots sur la saison et en particulier en matière d'hôtellerie de plein air. Oui, tout à fait. En fait, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que je me rappelle très très bien au lendemain de la tempête comment tout ça s'est déroulé. Si vous voulez, c'est vrai qu'on avait véritablement le moral dans les chaussettes. On était tous abattus parce qu'on venait de vivre. Et notamment, bien sûr, notre ami Raymond Moreau, président de l'hôtellerie de plein air départementale, qui était à nos côtés, qui lui-même avait été touché, puisque malheureusement, son camping, vous le savez, n'avait pas pu réouvrir cette année. Mais on s'est mis autour d'une table, tous les prestataires. Il y avait bien sûr l'hôtellerie de plein air, il y avait aussi l'hôtellerie, il y avait aussi l'UDOTSI, l'Union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative. Il y avait les chambres de commerce et d'industrie. Tout le monde était là pour dire il faut absolument que l'on réagisse. Et Raymond, qui avait été touché lui-même, a communiqué avec nous pour dire ben, venez en Charente-Maritime, il n'y a aucun problème, on est prêt à vous accueillir dans d'excellentes conditions. Donc rien que pour ça, je voudrais le féliciter parce que c'est remarquable. Quelqu'un qui était meurtri, eh bien, a réagi d'une façon tout à fait positive. C'était très, très important pour nous. Et j'irai un peu plus loin en disant que au lendemain, effectivement, de cette tempête, il y avait des gens qui étaient sans logement. Et avec Charente-Maritime Tourisme, avec nos amis de l'hôtellerie de plein air, on a fait en sorte qu'effectivement, eh bien, il y a des gens qui puissent loger dans des mobil-homes, des choses en fait, qui soient accessibles pour eux très rapidement. Et c'est grâce à eux si effectivement on a pu loger ces gens. Alors Raymond Moreau, Stéphane Villain vient de parler de votre situation, mais aussi de la situation de l'ensemble des exploitants. Quelques mois après cet événement majeur, quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce qui s'est passé ? Le regard que je peux porter actuellement sur le passé, c'est que nous sommes partis dans la reconstruction. Nous avons effacé les plaies qui nous ont touchés et nous nous tournons maintenant vers l'avenir. On va faire un rapide bilan de la saison touristique où on a subi une baisse des réservations dès le mois de mars, sur lesquelles on a eu un mois d'avril qui était un petit peu dur à démarrer. Mais nous avons actuellement relevé le défi en terminant la saison égale, voire même supérieure au niveau des fréquentations par rapport à l'an dernier. Donc, des fréquentations à peu près satisfaisantes. On est aujourd'hui dans un salon professionnel. Quel est votre sentiment par rapport aux exploitants? Est-ce qu'ils sont repartis dans une phase d'investissement? Est-ce qu'ils sont un peu attentistes par rapport à la situation? Comment percevez-vous le sentiment des professionnels? Les exploitants sont toujours dans des phases de reconstruction et d'innovation, notamment beaucoup plus cette année, puisque la tempête, malheureusement, a fait des dégâts un peu partout, bien sectorisés, mais bien ciblés au niveau des dégâts. Donc on va œuvrer maintenant pour reconstruire avec des matériaux qui soient un petit peu plus adaptés en cas de, ce qui n'est pas souhaité, en cas de prochaine catastrophe naturelle ou inondation ou ce type de problème. Nous avons des fabricants qui ont choisi le créneau de ce type d'hébergement, notamment sur les pilotis. On a des hébergements sensationnels et en plus qui s'intègrent très bien dans la nature. Merci Monsieur Raymond Moreau et bon salon. Merci.